Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Alors, on se retrouve pour la spéciale pleine lune du 5-6 avril 2023. Alors, bien entendu, vous avez vu, j'ai eu envie de vous faire une guidance à choix. Choix numéro 1, le quartz rose. Le quartz rose, bel symbole de l'amour, hein, bien entendu, avec... un tirage en croix avec l'augure noire, deux cartes avec l'oracle de la sorcière noire et deux cartes avec le muséum pour voir l'état d'esprit dans lequel vous êtes et le conseil à suivre. On terminera avec une petite carte de la fée Morgane. Tirage numéro 2. Choix numéro 2, la tourmaline, très belle pierre de protection, magnifique tourmaline, avec un tirage en croix de l'oracle de Di, deux cartes de la sorcière noire des runes et deux cartes de muséum pour l'état d'esprit et le message. Petite carte de la fée Morgane. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2 ou tout simplement les deux tirages. Il peut y avoir des choses qui vous parlent dans les deux. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Alors, pourquoi on dit pleine lune du 5 au 6? C'est parce qu'elle va être dans la nuit du 5 au 6, très tôt le matin. Donc, il est toujours intéressant de savoir que l'on peut mettre deux jours avant, deux jours après ses intentions à la lune. On peut recharger ses pierres également à la lune. On peut, certaines, hein, bien entendu, parce qu'il y en a d'autres, c'est le soleil. Là-dessus, je ne veux pas être férue. C'est plus mon mari qui s'occupe de ça. On fait ses intentions, on prépare son eau aussi, on bénit son eau à la lune, on fait ses chèques de l'abondance et tous les rituels que l'on a envie de faire, bien entendu, propres à chacun. Allez, c'est parti, nous démarrons tout de suite avec le choix numéro 1, le quartz rose, pierre symbole de l'amour. Alors, on met ça ici, nous allons déjà regarder, dans un premier temps, avec l'oracle de la sorcière noire, l'état d'esprit du moment où on est ailleurs. Là, on est vraiment sur un côté éloignement. On a peut-être pris des décisions. On a envie de partir. On a envie de... on le voit beaucoup, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui envisagent des déménagements, de partir, de se rapprocher des enfants, de changer de vie. De... bon, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements. Hein. Ah ben, là, cette carte, elle nous annonce quand même un éloignement émotionnel. Hein. Si c'est côté sentimental, c'est pas positif, positif. C'est plutôt une relation qui se désagrège, bien entendu. Professionnellement, ben, peut-être qu'on est en train de s'éloigner, professionnel, voulu, subi. Mais ça peut être tout simplement qu'on a une prise de conscience assez brutale. Et tout simplement, eh bien, on a décidé un changement, une interruption, tout simplement, également. Avec la carte départ, on voit que vous êtes quand même prêt à prendre le large. Hein. On a vraiment quelque chose là. On s'éloigne sereinement, peut-être pour prendre beaucoup de recul aussi par rapport à une situation. Et attention à ce message, tout se brise en un souffle. Ce message, il vous dit que peut-être de précipiter les choses, ça peut être incertain. Ça peut être instable, la situation. Maintenant, si vous êtes dans ce côté sentimental où vous avez décidé de partir, ben c'est simplement parce qu'on voit très bien que votre situation est incertaine et vous en avez conscience. Donc, en fait, avant que ça ne se souffle, ça ne s'essiffle, je vais y arriver, avant que ça ne se brise, voilà, eh bien, avant que ça vole en éclats, ben on part, tout simplement. On s'éloigne avec prudence. Peut-être également... on va avancer, on va certainement prendre une distance parce qu'on se rend compte que ça va se briser, tout simplement. Un côté plus léger, si on est sur le départ d'un changement, d'une transformation, attention, prudence avec celle-ci. Elle peut nous dire que il peut arriver qu'il y ait des choses qui soient hors de notre contrôle. Hein. Il peut y avoir peut-être aussi des choses qui sont
précoces qui vont arriver plus vite qu'on ne le croit. Mais attention, ça peut être instable, pas préparé. Bien préparer son départ, si tel est le cas. Si dans sa tête, on est prêt à partir où que ce soit, comme ce soit, quelle que soit la situation, bien préparer ce que l'on veut faire, hein. Sinon, ça risque d'être fragile, ça risque d'être incertain. Il faut être extrêmement prudent dans également les démarches que l'on veut effectuer dans les... Si c'est dans le domaine professionnel où on veut changer, il faut qu'on... quelque chose qui soit bien, qui demande à être médité, à être bien décidé. Pour d'autres, vous avez, j'ai l'impression que professionnellement, si vous avez décidé de changer, c'est parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'évolution possible. Donc, on quitte un emploi précaire. C'est également ce que l'on peut voir, hein. Alors, nous allons regarder maintenant avec le muséum dans quel état d'esprit nous sommes. Le colchique. Le colchique, il y a du regret, il y a de la jalousie, il y a aussi quelque chose qui nous fait qu'il y a une belle nostalgie. Il y a quelque chose là, dans votre mental, qui effectivement, on est dans ces petits moments-là où c'est pas. On cogite, on cogite, on cogite. La colchique, un colchique dans les prés, j'ai l'impression que là, on n'est pas très très bien. Vous vous sentez plus dans le passé que dans le présent. Vous ressassez certaines choses également. Il est possible peut-être aussi que vous alliez regretter ou que vous regrettiez déjà une action ou une période de votre vie. Ce qui explique que peut-être que vous êtes dans l'éloignement déjà, le départ. Cette carte, elle vous conseille quand même de laisser tranquillement ses passés, ses, vos pensées dans le passé. On laisse tomber le passé pour vivre pleinement le présent. Certaines personnes sont tourmentées, hein, au moment de cette, autour de cette pleine lune, hein. On a vraiment une épreuve. Alors, non seulement ça se brise, ça peut être incertain, c'est très fragile, mais là, on voit très bien qu'il y a une épreuve à passer, quelque chose qui, quelque part, demande une transformation ensuite, hein. L'épreuve, c'est également, bon, la dame en deuil, quelque part, on sait tous qu'on a besoin que ce soit une situation vécue, que ce soit proprement parler un deuil comme on l'entend, il y a une période où on a besoin effectivement de solitude. On a besoin pour y voir clair. Là, on voit que vous traversez certainement une épreuve. On l'a vu ici un certain. Hein. Vous allez sûrement surmonter une peine. On vous dit de garder espoir. Tout de même, la vie, elle est faite de cycles. Hein. On voit très bien que, je vous ai dit, préparez votre départ. Attention, c'est cyclique. On traverse une épreuve, mais c'est une épreuve qui... vous devez passer, vous devez avancer, vous devez y aller. On l'a vu, hein, de toute façon, que eh ben, ça va se faire, bien entendu, peut-être avec regret, peut-être avec nostalgie, mais on va avancer, on va se transformer, on va également se métamorphoser. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement si on décide de partir, mais de changer de vie. De faire quelque chose d'autre, hein, de quitter aussi un endroit qui ne nous convient plus, eh bien, il faut qu'on assure ses arrières, bien entendu, parce qu'on a peur, ça peut être incertain, période compliquée, peut-être période de doute, mais renouveau qui arrive derrière. Le mental est un petit peu perturbé par ces changements, on voit que c'est des épreuves, hein, qui semblent vous attendre. C'est plus en fait faire le deuil d'habitude également, peut-être de relations également. Hein. Voilà, on voit qu'il y a un manque, hein. Peut-être qu'il y a une phase qui va être un peu difficile à passer. Mais quoi qu'il en soit, c'est le renouveau. C'est malheureusement, et j'ai envie de dire peut-être aussi que c'est comme ça, c'est positivement le cyclique, les périodes, tout passe, tout change. Et c'est pas toujours facile non plus de changer de vie. Bon, on va regarder avec notre tirage. En croix, alors, vous, votre travail, votre activité, votre foyer, l'imprévu, votre rôle, l'aboutissement. Voyons voir un petit peu tout ça. Alors, l'activité. Bon, on n'a pas encore récolté ce que l'on veut. Hein. Le projet, il est là, il mérite sans doute de mûrir un peu. Vous avez des projets, on l'a vu, avec en plus la carte 1. Hein. Mais peut-être que vous n'allez pas pouvoir tout de suite les mettre en place, vos projets. Il va peut-être falloir attendre un petit peu. Il va peut-être falloir les mettre sur pied un peu mieux, les peaufiner, tout simplement. On voit qu'effectivement, vous êtes en attente de quelque chose, en attente de partir, en attente de récolter quelque chose, que ce soit professionnel. Et on voit que, eh ben, vous ne l'avez pas récolté, puisque on a très bien vu que vous souhaitiez d'ailleurs partir, hein. Vous envisagez vraiment quelque chose de nouveau. Vous avez
Peut-être tout simplement envie de récolter aussi qu'on reconnaisse votre travail et ça vient pas. Donc il se pourrait bien que c'est aussi la carte peut-être patience. Il se pourrait bien qu'on vous attende, qu'on vous dise d'attendre encore un petit peu pour mûrir ce que vous avez décidé de faire. Au niveau vous, votre foyer, votre intérieur, c'est une très bonne étoile. C'est l'étoile polaire, c'est une carte qui peut. Vous allez être guidé. Vous allez prendre la meilleure décision. Il va falloir écouter votre cœur, tout simplement en patientant un petit peu également. Et on voit très bien que vous allez écouter, vous allez être guidé. Vous allez finir par prendre la bonne décision. On l'a vu également tout à l'heure, hein, de toute façon. Vous êtes sur le départ, mais on vous a dit de peaufiner. Là, on vous demande d'attendre un peu. De voir pour le faire autrement, peut-être aussi que vous n'avez pas encore tous les éléments en main, ou bien que ce n'est pas encore consolidé ce que vous souhaitez faire. Eh bien, là, on a l'étoile polaire. L'étoile, elle est de bon augure. Vous allez pouvoir suivre votre bonne étoile, votre situation. Elle va connaître un beau dénouement, tout simplement quelque chose de spectaculaire. Alors, l'imprévu, chamade. L'imprévu, vous allez pouvoir identifier ce qui vous manque. Vous allez identifier et sembler contrecarrer certains projets, certaines choses qui étaient en difficulté ou qui allaient vous mener en difficulté, puisque vous n'aviez pas tous les éléments. Eh bien, il va y avoir quelque chose que vous allez pouvoir tourner, ravancer, communiquer, échanger, quelque chose de plus clair qui va arriver. Vous allez en fait tourner les difficultés à votre avantage et vous allez pouvoir progresser. Progresser sur ce que vous. Je vous ai dit que vous alliez voir clair avec cette carte qui est de très bon augure. Donc vous allez pouvoir mettre en place quelque chose, vous allez pouvoir retourner la situation. Si vous rencontrez des difficultés, par exemple d'ordre professionnel pour certains, vous allez suivre une étoile différente, bonne étoile, vous allez voir les choses autrement et vous allez retourner l'inverse. C'est-à-dire que les individus, les personnes, l'entourage qui peuvent être médisances, jalouses, vous allez les retourner à votre façon, vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Alors plutôt que de refuser de communiquer, pourquoi pas aller de l'avant et faire des échanges, hein. Alors, votre rôle, vous, dans tout ça, c'est le calme. Eh bien, c'est le calme. Vous allez être calme. Dans l'attente de pouvoir trouver quelque chose, une situation, autour de tous ces mouvements, en fait, vous allez être calme. Pour certaines personnes, vous allez, comment je peux dire, vous allez sereinement avancer les choses. Vous allez pouvoir traverser, préparer une étape importante de votre projet. Comme vous allez avoir retourné la situation à votre avantage, vous allez pouvoir aborder la situation autrement. C'est le calme avant la tempête. La tempête, c'est le changement, c'est la métamorphose. On l'a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir apporter en fait des solutions. Vous allez pouvoir les expériences également qui sont du passé. On l'a vu tout à l'heure que vous cogitiez peut-être avec le passé. Eh bien, plutôt que de cogiter, on va se servir de sa situation complexe et on va arriver à plus de stabilité. C'est votre rôle. Vous allez finir par vous stabiliser. Alors que ce soit sur le plan financier ou tout simplement au niveau sentimental, hein, vous allez peut-être demander à vous stabiliser. Vous allez peut-être vous préparer au changement, bon ou mauvais, mais en tout cas, il y a une nouveauté qui va arriver. Et l'aboutissement de tout ça, eh bien, l'aboutissement, c'est que vous allez voir clair. Cette fumée qui est là, la situation qui vous semblait sans espoir, la meilleure chose que vous allez faire radicalement, eh bien, c'est de sortir, de respirer, de marcher. Vous allez avoir levé le voile de la suie, comme on voit avec cette usine, vous allez le lever. L'aboutissement veut dire que vous allez voir clair derrière cette fumée noire. Cette fumée qui était là, vous allez la lever. On n'en parle plus, on tourne une page, tout simplement. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, hein, bien entendu, on a pu voir qu'il y avait une situation délicate. On peut voir que rien n'est jamais joué d'avance, hein. Tout simplement, on évalue où est le problème, qu'est-ce qui pose souci. Si c'est financier, eh bien, on voit très bien qu'il va y avoir quelque chose qui va être redéfini également au niveau financier. Si c'est professionnel, on voit très bien qu'il y a peut-être eu un cycle qui est compliqué, mais peut-être qu'on vous a caché des informations également. Vous allez les découvrir, ces informations. Vous allez pouvoir changer la chose. Vous êtes invité là à côtoyer la lumière, la fraîcheur, la légèreté, c'est-à-dire en deux mots, à voir les choses différentes et surtout avoir une nouvelle énergie.
C'est un tirage très fort, les amis, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Très puissant, très fort. On voit beaucoup. On voit, à un moment donné, j'ai l'impression, dans ce nuage, l'éclaircie. Au bout, l'éclaircie. Et l'étoile polaire qui va vous guider, qui va vous permettre de voir clair. On termine avec un petit message de notre fée Morgane. Le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un ou d'une autre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera. Je vous remercie si vous vous arrêtez là. Je vous remercie pour votre soutien, vos commentaires, votre gentillesse, votre présence, votre fidélité. Merci pour tout et je vous dis à bientôt. Nous allons passer à notre choix numéro 2. Bienvenue à ceux qui ont choisi la tourmaline. Cette pierre d'ancrage, cette pierre de très très forte protection. Pleine lune du 5 et 6 avril. 5 et 6 parce qu'elle va se situer dans la nuit de notre 5 et 6 avril. Alors, on va tout de suite regarder, chers amis, qui avaient choisi la tourmaline. Quel état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes avec notre sorcière noire? Ouh, ouh là là, on est enfermé, on a des idées obsessionnelles là, il va falloir, cette carte elle vous dit de lâcher vos idées obsessionnelles, de lâcher cet enfermement, on ressasse, on doit ressasser là, des choses anciennes, des choses du passé, on ressasse des idées, on a peut-être... On est en pleine idée noire, hein, comme je dis, c'est on ressasse des pensées, voilà, invalidantes, qui vous empêchent d'avancer. On est dans un enfermement, mais cette carte, elle vous dit également, peut-être, c'est niveau professionnel, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez que vous n'avancez pas, que c'est répétitif ce que vous faites, hein. Ou bien tout simplement aussi que sentimentalement, on est dans un mental qui est constamment en train de vous poser des questions. Vous êtes constamment en train de vous dire, est-ce que c'est bien? Est-ce que je ne vais pas dans un mur? Est-ce que, voilà. Faut lâcher ces idées, ce côté enfermement, ce côté de ressasser complètement, constamment. Cette carte, elle vous dit, lâchez-les vos idées. Regardez. Vous lâchez vos idées noires et vous visualisez. Vous allez voir cette lumière-là, le miroir. Le miroir, c'est on voit à travers son miroir. Là, c'est ça fait appel à votre pouvoir de vos pensées, votre force mentale. Vous voyez, complètement en adéquation. Vous êtes dans des pensées obsessionnelles, broyées du noir, entre guillemets, comme on dit, hein. Eh bien, regardez. Visualisez cette lumière. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à la visualiser. Vous fermez les yeux, vous vous sentez protégé d'une lumière qui vous envahit, une belle lumière qui brille, ce soleil qui brille. Force mentale, on concrétise ses désirs. Et peut-être aussi qu'il y a une matière à entrer en réflexion là, afin d'éclairer également son raisonnement qui est noir. Eh bien, on l'éclaire, tout simplement. Sentimentalement, on vous invite peut-être à avoir à nommer vos désirs, à nommer ce que vous souhaitez, vos aspirations profondes, professionnellement, à regarder les choses sereinement, en face. Et peut-être que spirituellement, c'est un outil aussi qui vous permet de voir en profondeur et de voir à l'intérieur de vous également, hein. Très beaux conseils, hein, qui sont donnés là avec l'oracle de la sorcière. Alors, voyons voir un petit peu avec Augure. Nous sommes avec... Oh, paire de ciseaux. Eh bien, on vous demande de libérer. Je ne viens pas de vous dire de lâcher vos idées noires, de lâcher vos idées d'enfermement, d'obsessionnel compulsif, là, négatif. On coupe. On coupe, les amis. On passe à autre chose, on se libère. Si on était, par exemple, dans une relation toxique, on la coupe. Si on est dans un environnement toxique, on coupe. On s'éloigne de tout ça. On prend son indépendance. Ça, vraiment, ça ne pouvait pas mieux tomber, hein. Là, si on a besoin de se... Certains, vous sentez aussi le besoin que vous avez de vous détacher. Alors, ça peut être d'une habitude, d'une personne, d'une situation, vous voyez, hein. Eh bien, le temps, il est venu, pardon, de vous libérer.
Vous avez les moyens de le faire, les amis. Il faut aussi la volonté, mais vous avez les moyens de le faire. On coupe, on y va. Oh, regardez ça. Alors là, spectaculaire. La tourmaline. La tourmaline, elle est là. Elle vous envoie un message très puissant. C'est impressionnant. Franchement impressionnant. La tourmaline, elle vous envoie un ancrage, un très fort équilibre. Je pense qu'en fait, c'est le moment de couper avec des schémas, des personnes, des situations, un endroit. On se rééquilibre, on y va, on avance. C'est vraiment le moment de le faire. Quelle que soit votre situation, là, vous gagneriez vraiment à revenir à beaucoup plus d'équilibre. Tel est le message de cette tourmaline. À chercher objectivement ce qui est bon pour vous. À tenter de suivre simplement un objectif simple. Et d'avoir surtout confiance en vous. Rien ne vous empêche de porter une petite tourmaline sur vous. Il y a une grande protection qui est à l'œuvre pour vous, les amis. C'est le moment. C'est le moment de couper. C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'y aller. Très beau message pour les personnes qui ont choisi cette tourmaline. Alors, nous allons regarder tout de suite avec l'oracle. Donc, votre travail, le foyer, l'imprévu, votre rôle et l'inattendu, l'aboutissement. L'activité, le travail, c'est le début. Regardez, nouveau cycle. On y va, projet, on y va, on y va. On se lance, on coupe, on y va. Très beau. C'est le départ, là. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, les amis. Dans le foyer, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est un coup de chance. C'est joli. Vous avez un tirage superbe. Bonheur, joie, nouveau cycle, nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous met vraiment en bonheur. Alors, l'imprévu. Ben, l'imprévu, c'est qu'on ne s'y attend pas. On a la lumière. On y va. La lumière, on l'a ici. On l'a ici, la lumière. On a le pouvoir de la pensée, on a la visualité, la visualisation, on a la clarté qui arrive. Eh bien, la clarté, elle est là, les amis. C'est inattendu, mais ça, c'est là, c'est présent, c'est ici. Il y a un éclaircissement qui va vous être apporté, ça va vous apporter satisfaction, d'ailleurs. Vous allez pouvoir avancer. Quel est votre rôle à vous? Votre rôle à vous, c'est d'agir sans délai. Il y avait du retard, on a pris son temps, on y va. Il y a quelque chose qui peut-être, on vous avait dit aussi de lâcher vos pensées. Elles sont là, hein, elles vous ont ralenti. Vos pensées négatives, à un moment donné, elles vous ont ralenti, certainement dans vos projets. Donc, on y va. Il était temps, on y va, on se lance. Et regardez pourquoi. Mais tout simplement parce que on va vers des jours heureux, on va vers des jours meilleurs, on rattrape un bel équilibre, un bel ancrage, quelque chose de positif, une posture nouvelle qui s'offre à vous, les amis. On voit très bien que vous démarrez un nouveau cycle, c'est que du bonheur, les jours heureux arrivent, on a un éclaircissement, et peut-être que ça a mis du temps, mais il était temps. On a peut-être aussi pris son temps hein, pour mettre en place son nouveau cycle, mais il est temps également donc d'y aller, de couper et d'avancer. Très beau tirage pour les personnes qui ont choisi la tourmaline. Alors, nous terminons avec le petit message. Le Saint Graal est en toi. Il est réceptable de ton âme lorsque tu te lances à sa recherche. C'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Voilà les amis, j'espère que ces tirages vous ont parlé, vous ont plu, vous parlera. Merci en tout cas d'avoir suivi, merci d'être fidèle, d'être abonné à ma chaîne et de mettre des pouces j'aime. Merci pour tout, je vous donne rendez-vous pour les prochaines guidances. Je vous souhaite un agréable moment sous cette pleine lune forte en émotion et j'espère de tout cœur que cette guidance vous mettra ou vous parlera ou vous mettra pour certains sur le bon chemin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.